Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest. On s'en était arrêté juste devant cette porte les amis, nous allons affronter eh bien les deux mini-boss, à savoir... Oh j'ai cassé ma tente, ah non c'est bon. À savoir les parents de Virginia Puffton bien sûr. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Malheureusement nous ne sommes pas prêts en soi parce que j'avais pas anticipé la chose. Alors... C'est côté armure surtout que ça m'emmerde un petit peu. Oh là là, je suis vulgaire, pardon, excusez-moi. Alors si, j'ai un petit peu d'armure sur moi. Et j'ai une armure effrayante en stand-by. C'est pas terrible. Par contre, j'ai quand même deux petites grenades. J'ai un pistolet, un fusil à pompe et un fusil classique. Mais je n'ai plus de munitions, me semble-t-il. Voilà, j'ai plus de munitions, hein, je suis à sec. Par contre, j'ai des balles. 22 balles. 23 balles de chevrotine. 8 pistolets paralysants. Enfin on va pas faire long feu. Alors je peux faire peut-être... Oui on va faire ça avant de faire quoi que ce soit. On va faire des bombes supplémentaires si c'est possible. Comme ça au moins voilà. Parce que là il faut vraiment qu'on se... Ça va péter. Attendez, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut le circuit. Voilà. Comme ça je peux me faire des bombes supplémentaires. Merci à tous pour vos commentaires, évidemment j'ai oublié quelque chose dans la salle précédente, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Ah bah je suis complet, voilà, bon ça va faire régler, je pourrais toujours en refaire. J'ai des médicaments sur moi, ça c'est pas mal, des sodas, j'ai une bourse, attends, hop. N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr, très important, et finalement en effet on est mercredi, voilà je me suis arrangé. Eh, c'est vraiment parce que vous le méritez, parce que j'en avais aussi également très envie. Mais c'est une galère pour moi de vous faire des épisodes régulièrement, mais voilà, je suis content de vous retrouver quand même en ce mercredi ensoleillé bien sûr. Alors j'aurais oublié quelque chose, à savoir une balise GPS. Et heureusement que vous me l'aviez dit parce que je l'aurais pas vu. Et ça c'est quand même très dangereux. Comme quoi je fais pas attention. Et ben voilà, juste ici. Nouvelle localisation, bunker présidentiel. Donc je vous remercie les amis parce que je l'aurais pas vu. Franchement je l'aurais pas vu sans vous. Très dangereux hein, tu vois comme quoi. Oh des munitions de balles, parfait. J'ai bien fait de revenir. Donc comme quoi je fouille pas assez hein. C'est assez terrible. Donc voilà ce qui va nous attendre les amis dans la salle. Salut à tous, c'est la salle. Donc je compte sur vous évidemment pour m'encourager un maximum, me donner de la force. Parce que là ça va partir en cacahuète. C'est par ici. Et il faut vraiment que j'analyse un petit peu mieux quand même hein, parce que sans vous on serait passé à côté de ça. Et ça aurait été assez terrible. Moi ce que je propose dans un premier temps c'est de dégainer le... non on va faire des raccourcis clavier les gars, soyons malins. 2 3 4, j'ai une arbalète aussi hein. J'ai une arbalète hein, il faut le savoir. Je vais mettre ça en 5, ça je vais mettre en là. Et les explosifs je vais mettre en 8. Attends, est-ce que j'ai tout, est-ce que j'ai tout qui est bon? Ah j'ai des cocktails molotov aussi peut-être. Oui j'ai des cocktails molotov. Non, faut que j'en fabrique. On va faire ça avant d'y aller encore, j'avais pas pensé. Alors voilà, on va tout mettre sur le l'établi. Et on va fabriquer. Et heureusement que j'y pense. Heureusement, Mkolo il a une tête. Voilà. Là, on est au top. Hein? Ah, je peux plus. Voilà, je suis full. Donc là, je dégaine mon pistolet. Je dégaine mon fusil à pompe. Je dégaine un fusil qui est vide. Donc en fait il me sert à rien. Donc ça sert à rien en fait. C'est complètement con. 3 4. Donc du coup je vais mettre plutôt l'arbalète. Ensuite molotov. Attends. Molotov. Grenade. Attendez. Oh non. Grenade. Molotov. C'est pas le truc le mieux fait hein, malheureusement sur le jeu. Normalement je suis bon. Donc attendez hein, je revérifie parce qu'il faut se préparer. Pistolet. Fusil à pompe. Arbalète. Ok c'est bon j'ai. Impossible de porter plus de carreaux, c'est une blague. Attends. Voilà je savais que je pouvais faire. Ensuite j'ai cocktail molotov. Grenade. Et ça c'est pas bon du tout. Bombe. Ah c'est parce que j'ai ça en plus. J'aurais peut-être pas dû. Lunettes. À la place je vais mettre bombe. Voilà.
On est bon les amis, est-ce qu'on y va? Bien sûr on va y aller, c'est parti mon kiki. J'ai extrêmement peur. Attends, depuis quand il y a des trucs invisibles maintenant là? Enfin les aveugles. Ah ouais, maintenant c'est nouveau. Moi je croyais qu'il y avait que des mini-boss. Bon bah on va déjà commencer par eux. Voilà. Ah, je vais déjà me faire bien arracher la gueule. Alors attendez, je vais boire un soda énergisant. J'avais pas pensé à ce détail. Il faut que je m'économise absolument. Je vais prendre la matraque électrique. Rien à péter. Alors, je sais pas comment faire pour que ça marche. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Électrisé, j'ai perdu beaucoup d'armure pour pas grand chose. Je suis vraiment deg. Alors venez voir, venez voir. Voilà, allez hop. Wesh. Ah ouais, là je me suis fait soulever quand même. Je me suis fait soulever ma race. Par contre je vais avoir le droit à de l'armure là grâce à ça. Bon là ils sont plus censés me voir hein. Là ils savent plus où je suis normalement. Ouais, c'est vraiment bien fait ce putain de jeu. Bon d'accord, j'ai compris. Meurs. Meurs. Putain. Ok, il en reste encore un. Je vais essayer de le dépecer. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, on est pas bon du tout les amis là. Ok, je me chie dessus. Il en reste plus qu'un. Faut absolument que je récupère toutes les armures pour être au top. Et comme ça on sera bon. Ok. Il y en avait un par là. Parce que là à mon avis quand je vais tuer le dernier, il y aura les mini-boss qui vont arriver hein. Ça me fait chier, j'ai usé beaucoup de balles de mon pistolet là. J'ai pas assuré. Ok, on a des trucs ici, c'est pas mal. Là, on a un gros mutant. Trouver la famille Puffton. Et merde. J'ai même pas eu le temps de. Oh putain. Ok, bon, on va mettre l'armure. On va mettre les armures malheureusement. Ça s'est pas passé comme prévu. Monsieur Puffton, bonjour. Monsieur Puffton, Madame Puffton. Ah, arrêtez. J'ai plus de balles. Au secours. Attendez. Ah. Ok. C'est bon, je rigole. Je rigole. Prends le fusil à pompe. Ok, viens voir. Ok. Venez voir. Voilà. Ok. Ça se passe. Voilà, ça se passe. Ça c'est intense hein. T'approches même pas mec. T'approches même pas. Oh putain. Viens voir. J'en ai eu un. Vas-y, on va recharger. On va recharger, j'en ai eu un. Même pas eu besoin de grenade. Viens voir. Oh non. Quoi? J'ai usé deux balles. Ok. Je l'ai fumé mec. Oh, j'ai fait une collate. Alors Thor, par contre tu vas rester au sol hein. Messieurs dames, je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi même plus que bien. Monsieur Puffton,
C'est la fin pour vous. J'ai tué les darons de Virginia malheureusement. Deux armures glauques collectées. Et nous avons la madame qui est morte en première. On se demande comment c'est possible parce que je lui ai mis moins de balles. Mais putain j'ai réussi. Et j'ai utilisé que le fusil à pompe hein. Le fusil à pompe en ça. Oh je suis heureux. Je m'attendais vraiment à pire. Je suis très content parce que vraiment là ça sentait pas bon. Alors il y a eu des nouveautés regardez. Enfin en tout cas vous connaissez peut-être. Mais moi je suis pas revenu ici depuis longtemps hein. Maintenant il y avait un compteur. Donc le compteur bien sûr il est terminé. Donc ça doit être le compteur avant avant qu'il se passe quelque chose. Et donc ils ont dû se transformer à ce moment là parce qu'ils s'attendaient à je sais pas quoi. Ah je suis content putain. Donc là on a Barbara Puffton. Donc qui devait être la daronne. Nous avions donc nous avons gâché un autre full afternoon. Donc une autre soirée. On n'a pas trouvé de balles de golf. C'est inacceptable. Enfin bref c'est des passionnés de golf là. C'est des milliardaires hein, je le rappelle. Donc ils ont leur délire de golfeur hein. Ça c'est pas non plus incroyable. Edward Puffton donc le daron. Et normalement il y a voilà cette place de libre. Ça devait être Virginia ou peu importe où elle est. Non elle est là Virginia regardez. Virginia voilà donc là c'est notre amie qui nous suit et qui nous aide hein, avec toutes ses jambes. Ok. Assez entendu. Ça ça fait plaisir. On va récupérer un maximum du coup on va juste bah, boire. Parce qu'on a bien mérité tout ça. Je suis trop content pour le fusil à pompe là. Franchement ça s'est super bien passé. Oh j'ai reçu un achievement. J'ai bu 50 canettes de soda. Voilà, je suis un vrai fou quoi. Hein. Bon j'ai faim aussi mais j'ai ce qu'il faut. Pas d'inquiétude. Donc là je vérifie parce que je vous connais. Vous allez me dire en commentaire que j'ai raté quelque chose et vous auriez bien raison de me le dire. Même si je ne pense pas. Ah je suis content hein. Je suis content, ça s'est super bien passé. Bon ça a mal commencé, franchement je me suis fait soulever de zinzin. Mais c'était bien parti. Et ben voilà, regardez. Une robe. La robe de Virginia. J'ai bien fait de passer par là et de bien fouiller. Parfait. Bon maintenant c'est pas fini parce qu'il va falloir sortir de la grotte. Et je sais que ce n'est que le début hein. Voilà donc ah mais ça tombe bien parce que je crois qu'on va sortir de l'autre côté de la montagne. Moi qui disais toujours qu'on n'a jamais exploré l'autre côté de la... Et ben voilà comme ça on va pouvoir explorer. Bref il me faut une lampe de poche. Là, je m'en sors plus avec tout ce que j'ai dans l'inventaire. Donc là faut que j'aille dans l'eau. Et il faut que je trouve la sortie. Alors toujours rester le plus profond possible. Comme ça t'arrives à voir quelque chose. Voilà là, déjà t'as un trou là. J'adore les trous. On a un superbe accès ici. Mais je crois qu'on va se faire accueillir par plein de mutants encore. Si je dis pas de bêtises. Après peut-être que ma mémoire me joue des tours. Emmanuel mémoire. De toute façon c'est ce qu'on va voir. Puisque nous sommes arrivés. Ah. C'est pas dit. C'est pas dit qu'il y ait des méchants, non. Ah voilà. Regarde. Je le savais bien. Bon maintenant j'ai des armes, hein. J'en ai plus rien à foutre. Bon après il peut. S'il est tout seul. Ah non, il y en a un deuxième derrière. Ils sont deux minimum. Si je pourrais économiser mes balles, ce serait pas mal. Attends. Si je me rapproche de lui, il va rien voir. Tu vois là, il me voit pas, il m'entend pas. Hop là. Toujours accroupi les mecs. Viens, hop là. Viens dans l'eau. On a eu de la chance. Viens dans l'eau, viens dans l'eau. Ah il veut pas venir dans l'eau là. Bon on va pas perdre de temps, vous inquiétez pas les amis. Ah dommage. Ça aurait été l'heureux gagnant. Allez je vais les achever. Enfin s'ils pouvaient me laisser sortir de l'eau ce serait pas mal hein. Parce que là ils me laissent pas sortir de l'eau les bouffons. Attends je vais sortir mon gun si c'était possible. Attends regarde. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça c'est fait, peser, remballer. Allez, en plus on récupère de l'armure. Quel plaisir les amis. Ah je compte sur vous pour me régaler en commentaire et mettre un maximum de likes. En plus là j'ai pas mal d'armure sur moi. Ça ça fait vraiment plaise. J'ai tout récupéré. Ah c'est pas fini du tout là hein. Je vais prendre le petit pistolet. On va faire des économies d'énergie. Ah. Oh bâtard j'ai usé une balle.
J'ai mis 2 balles dans la tête et une 3ème dans le vide. Hop, dans le cul. Ah bah ça suffit. Hop, je t'achève hein. Ça me fait de la peine de devoir souffrir. Impeccable. J'aime cette aventure les amis, vous le savez. Mais... ah si, ça va être une sortie de grotte là, c'est bon, pas d'inquiétude. Vous savez comment je reconnais que c'est une sortie de grotte maintenant? Eh bien tout simplement parce que... alors attendez, j'enlève le recycleur. Tout simplement parce que là, on va plus pouvoir remonter. Et donc ça fait que quand on rentre dans la grotte là, on peut pas accéder à la... enfin je sais pas si t'as compris ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, regardez, je vais descendre. Voilà, et donc là maintenant je peux plus remonter. Ce qui fait que si j'étais rentré dans la grotte par là où on va sortir, ben... voilà. Enfin je pense hein. Ah c'est bien ce que je dis, regardez là. Et là on sort, voilà tout simplement. Ah non. Ah. Attends. Attends. Oh merde. Oh non. Voilà. Je voulais essayer l'arbalète en fait. Oh mais ça one shot en fait. Attendez, l'arbalète one shot. D'accord. Alors là je viens de découvrir un truc. Et ça fait plaisir. L'arbalète one shot. Alors on va récupérer l'arbalète là, le carreau. L'arbalète one shot. Non mais ça par contre, alors c'est pas évident parce que quand tu recharges ça enlève la lampe. Il te faut les deux mains, ça prend un certain temps. Ça prend à peu près le même temps que recharger un fusil à pompe hein, tu me diras. C'est pas trop mal hein. Ah ouais, l'arbalète c'est quelque chose quand même hein. J'ai jamais utilisé vraiment l'arbalète. Ah y a des bébés, j'aimerais bien récupérer, voilà. Hop là, tu vois lui il est mort là. Ah c'est pas mal du tout, désolé hein, s'il fait nuit là du coup mais... regarde. Tu vois le bébé? Hop là, tu le vois plus. Ah c'est vraiment chouette. Ah c'est vraiment chouette. Oh non, ça c'est dommage. Bon voilà, alors j'ai juste récupéré mes carreaux. Là. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Attends, je suis full. Je suis full de carreaux, donc ça veut dire qu'il faut que je recharge l'arbalète, que je remette un carreau sur le truc. Voilà, et comme ça je vais pouvoir récupérer le carreau ici. Ça, c'est pas fini en fait, hein. Je pensais qu'on était déjà sorti de la grotte, mais pas encore. Quelle connerie. Non, mais là, ça va être la sortie, les amis. Là, là je la sens bien. Là il y a des chauves-souris. Ouais c'est bon. On a une sortie alors. Je vais manger. D'accord. En fait je sais même pas quelle heure il est etc. Donc c'est un petit peu chiant. Je vais manger voilà un petit pack MRE. Comment t'appelles ça? 1000 ration military military ration peut-être. Ration militaire. A tous les coups il va faire nuit. Non il fait jour. Oh merde. Ah mais on est où là? On n'est pas du tout là où je pensais qu'on serait. Alors on va tout de suite sortir le GPS. Il est tout à fait. Ah non. Ah non, on n'est pas du tout de l'autre côté on n'est pas du tout de l'autre côté de l'île. Que dalle. Oh là, Virginia elle est pas contente. On est toujours du même côté qu'on connaît. Très bien, bah écoute c'est pas... c'est pas mal. On n'est pas perdu. Salut Virginie, attends j'ai une tenue pour toi. Ah. Bon après ça te va bien aussi ça hein. Mais j'avais une robe pour toi, j'ai tué tes parents. Ah tu prends des bâtons et tout. La classe. Ah tu l'as reposé finalement. Du coup attendez mais c'est quelle plage là-bas là? Ah oui c'est la plage. Ah il y a des indigènes. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire là les amis. Je réfléchis maintenant au sens de ma vie. Je réfléchis au sens de la vie. Est-ce qu'on a tout exploré là-bas au moins? Je suis même pas sûr. Mais t'as un flingue, fais pas genre. Eh attends, Virginia, attends, j'ai une idée. Je vais lui donner mon fusil qui sert à rien. Ah, je peux pas. Ça, c'est mon fusil à pompe à moi. Ah, dommage. Je pensais que je pouvais lui donner mon fusil qui sert à rien. Parce que comme ça, elle aurait pu l'utiliser à l'infini. Moi, je propose d'aller... d'aller explorer, je sais pas en fait si c'est une bonne idée. Je vais, vous savez quoi ce qu'on va faire? Il y a un chemin là en face. Il y a un chemin en face, on va suivre le chemin.
Voilà, autant profiter d'être dans cette partie de la map pour vraiment explorer encore tout ce qu'il y a là. Même si on est déjà passé, allez, on est passé à tout casser une fois hein. Franchement, on n'est pas passé plusieurs fois par ici. Donc on va juste explorer ici, voir si on n'a pas loupé des trucs ou s'il y a des nouveautés justement. Et comme ça on saura que pour les prochains épisodes on pourra aller de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de l'île hein, parce que j'arrête pas de vous rabâcher depuis le début de l'aventure. Je sais, je dois être un petit peu chiant. Et comme ça au moins on est tranquille. On aura déjà tout vu. Bon, l'hiver va arriver donc ça c'est vraiment chiant par contre. Alors on a un petit, petit étang. Très bien. Très joli. Virginia me suit de très près là, hein, ça y est. Hein. Virginia me kiffe. D'ailleurs si vous avez des idées pour qu'elle me kiffe, hein, n'hésitez pas. Alors je sais que le fait d'avoir la maison, qu'elle puisse se reposer dedans, ça contribue. Parce que là c'est vrai, faut dire, elle me suit. Hein. Elle m'a jamais autant suivi comme ça. Hein. Depuis que j'ai tué ses parents... Vous voyez là, ça, y a quoi là où je vais là? Bon, à tous les coups, y a rien. Je préfère vous prévenir à l'avance. Mais on peut un petit peu chiller quand même après ce qui s'est passé. Après ce qu'on a vécu, profitons de dehors. Le jeu est magnifique, vous le savez. Donc bon, autant se régaler. Moi je suis content, fils d'up. Moi je suis content de ne pas avoir utilisé de grenade et tout hein. Franchement juste le fusil à pompe ça m'a fait trop plaisir. Les mini boss et tout. Je sais que maintenant il y a un boss final. Donc durant la saison 1 j'avais pas de boss final. Et là maintenant il y a un boss final. Donc on va voir comment on va se débrouiller. On a un village ici. Virginia. Bon, je vais sortir un gun maintenant hein. L'arbalète. On va sortir l'arbalète, maintenant je suis un pro de l'arbalète mec. Ça one shot normalement donc Allez, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Je peux m'asseoir. Eh, c'est moi le boss. Ça permet de me reposer aussi, c'est pas mal. Est-ce que je peux casser? Non. Bon, Virginie elle est déjà en train de se faire remarquer. Je mange des petites bêtes en qu'on y a. Y'a personne. Y'a personne, c'est cosy. On récupère du tissu. Des ampoules mais je suis full. À manger mais je suis full. Du tissu. Bâche. Oh. Ok. Allez là Virginia. Wesh. Alors attends, est-ce que ça one shot? Ah. Je l'ai mise à côté. Ouais, elle est chaude Virginia. Elle est chaude Virginia. Attends, je vais voir si ça one shot. Reviens. Putain. Ils ont peur de nous maintenant. C'est nous les boss. Eh Virginia, elle gère. Voilà, par contre, elle gère de ouf. Hein. Hop, on va dépecer. Merci Virginia. Oh, joli fessier d'ailleurs. Ah, il y a une corde à récupérer. Attendez, je l'avais pas vu, tu vois. Ok, des billets. Tu vois, je peux passer à côté de certaines choses sans vraiment faire attention. Je vais manger ça. Il y a rien d'autre à check ici. C'est pas ouf, hein. Attends, on va peut-être faire une capture d'écran, Virginia. Voilà, peut-être pas la meilleure que j'ai faite, hein. Ce qui fait pas très beau. Moi, je propose de suivre le chemin là qui monte là. On va suivre le chemin qui monte parce qu'en bas, on sait ce qu'il y a. Hein. C'est la plage, justement la grotte où il y avait. Oh, je sais plus, mais c'était la grotte très, très intéressante. M'a fait peur lui. Mais on va suivre ce chemin parce que pour moi, je l'ai jamais suivi. Donc, ça peut être une bonne idée. Et jusqu'ici, j'ai l'impression d'avoir des bonnes idées. J'ai eu des idées de merde durant cette série là. Mais là pour le coup j'ai une bonne idée. Alors bien sûr je tiens à vous rassurer, c'est pas comme la saison 1 où justement j'étais très excité, il n'y avait pas beaucoup de contenu non plus. Et du coup on avait terminé la série en combien d'épisodes? 20 épisodes je crois. Là vraiment l'idée c'est de s'amuser, hein, c'est pas de terminer le jeu dans le prochain épisode. Hein. Le but c'est, voilà, moi je vous dis j'aimerais construire une maison dans la montagne etc. Donc l'idée c'est pas de poncer le jeu. Et en même temps, si on le termine, c'est pas grave, mais bon, ça, c'est chiant. En fait, j'aime pas terminer un jeu comme ça et continuer à y jouer après pour rien, quoi. Donc, vous inquiétez pas, en gros, on va pas terminer le jeu d'aussitôt. J'ai l'impression que je suis déjà passé par là et en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont copié-collé cette scène. Ils foutraient pas un peu de notre gueule, les développeurs. Ça, c'est clairement un copier-coller. On va continuer là-bas parce qu'il y a un monocycle qui nous attend. Alors je sais pas si c'est moi qui l'avais mis là.
dira pas non à trouver la hache moderne d'ailleurs. Ah, je suis sûrement passé par là en vrai, hein. Sans vraiment le savoir. C'est possible. Bon, comme ça on va prendre le monocycle, ça va être bien sympa. Et Virginia continue de me suivre et ça, ça fait plaisir. Bon, quand je vais prendre le véhicule, je suis pas sûr qu'elle va réussir à me suivre, mais mais c'est pas grave, on embrasse. Jour 32, ouais. Je réfléchis à quand est-ce que la neige va tomber. Et j'avoue, je me chie dessus. Oh. Ah bah oui, on est déjà passé par là. Je suis con. J'ai une mauvaise mémoire. Alors, j'ai une mauvaise mémoire, oui. Mais non, parce que regardez. Alors déjà, au moins, ça me permet de récupérer de nouveau des trucs. Le monocycle. Mais j'ai une bonne mémoire parce que je sais qu'il y a quelque chose là-haut. Je sais qu'il y a quelque chose, je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai pas un nouveau point qui s'affichait. Ouais, le bunker résidentiel, à mon avis, il est de l'autre côté de la map. Donc ça, on ira en temps voulu, vous inquiétez pas. Je vais sauvegarder, vous savez quoi. Hop. Ouais, c'est là qu'on a récupéré les jumelles, souvenez-vous. Le monocycle. Du coup, les amis, regardez bien ce qui va se passer. J'ai une bonne mémoire. Donc on va suivre ce chemin. Et ce chemin va nous mener à quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais il va nous emmener à quelque chose. Je vous jure. Ça se trouve c'est la hache moderne. Non, je pense pas. Mais je sais que ça nous mène à quelque part. Si je me trompe pas trop. Oh, et puis c'est dégagé, c'est parfait là. Là au moins on peut rouler. Ah ouais, mais je dois aller où là maintenant? Oh. Eh ben on va aller là où ça a crié. Un petit étang ici. Non, c'est pas là à mon avis, mais c'est pas grave. On y va comme ça, on y est allé, hein. Ouais, ça nous mène à la plage. Ça nous mène à la plage, donc c'est pas ici, c'est pas important. Ok. Non mais c'est bien, il faut... Voilà, c'est une partie vide ici, hein, de la map, me semble-t-il. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais, si vous regardez bien... Oh, Bambi. Bambina, Bambina. Ah oui, ça crie à droite, on va aller à droite. Mais je continue de suivre le chemin, comme ça au moins je suis safe. Et Virginia, elle est vraiment pas loin. Alors attention, mesdames. Je vais continuer là. Putain, en vrai, je me souviens plus du tout. Mais non, on est déjà passé par là. On est déjà passé par là. Donc l'endroit que je voulais aller, à mon avis, on y était déjà sans que je m'en souvienne en fait. Bon, c'est pas grave. Ah bah non, bah voilà, il y a un village là. Bon, c'était pas forcément là que je voulais être. Mais ça marche aussi. Hop là. Bon, je l'ai pas one shot. Oh, je l'ai one shot. Allez. Incroyable. Incroyable mais vrai. Et Virginia est là. Ah, j'ai plus de place, je vais m'équiper. Ça tombe très bien. Allez, on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Et c'est vraiment bien fait. Et vous avez vu? Bon bref, j'adore ce jeu en fait, hein. Les possibilités on dirait pas, mais c'est tellement bien fait. Tout est tellement bien fait. Oh merde. Alors ça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ah, j'aurais voulu faire un screenshot, mais ça rend pas aussi bien que ce que je voulais. C'est pas Jojo, hein. Bah, on va reprendre le monocycle, on va continuer. Virginie, on dirait un mutant, wesh. Enfin, c'est un mutant, Virginie, en soi. Et bien sûr, c'est normal que cet endroit me dit quelque chose. Oh, putain, en fait, on est... Ouais, ça sert à rien, ce qu'on est en train de faire. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris où on est, donc on est déjà passé par là, évidemment.
Donc s'il y avait une cave là-bas à gauche, je sais plus où, on était ressorti par là-bas. Mais on a déjà fait ça, peut-être même dans le dernier épisode ou l'avant-dernier. Et après justement on repassait, vous voyez le grand étang là, le grand étang en face. Justement on est passé par là au moins 5 fois là, avec le deuxième hélicoptère qu'on a retrouvé. Mais oui là il y a la grande place ici, voilà, ouais c'est bon. Donc on connaît. Donc les amis, on a deux options, soit on va directement visiter l'autre partie de la map de l'autre côté, ce qui peut être assez intéressant de faire le tour. Je pense que ça peut être pas mal là de... Je pense que ça peut être pas mal, autant continuer, on a plein de trucs sur nous. Parce que dans tous les cas, quand l'hiver va arriver, on va morfler dans notre base, donc ça change rien du tout. Qu'on explore maintenant ou non. Donc voilà, on va... Comme ça on connaît. On va, donc là c'est là où on a récupéré le pistolet avec le requin dans le dernier épisode de nouveau, hein, souvenez-vous. Et là cette fois-ci on va faire le tour de l'île dans l'autre sens. Et on va se retrouver de l'autre côté de la montagne. Wow, le jump. Donc là le point vert c'est l'imprimante 3D. Et donc en suivant les chemins, on va aller plus loin, on va suivre le chemin plus haut. On devrait trouver des trucs qu'on a encore jamais vus et peut-être même la hache moderne, qui sait. Eh les gars, on en profite hein. On va pas se priver hein. On va clairement pas se priver les gars. Alors c'est un petit peu cheaté, je vous l'accorde. Bah voilà, ça vous savez quoi, la cible, on l'a jamais récupérée. Voilà, c'est la quatrième fois qu'on vient ici. C'est du gros foutage de gueule. Hop, on boit un coup. Là regarde, j'ai des grenades, non même pas. On va éviter d'exploser. Radio collectée, bah tu vois je viens de récupérer la radio. Chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Incroyable. Comme quoi hein, on fait pas bien attention toujours. Allez, donc là maintenant à partir d'ici, on n'a jamais fait le tour qu'on va faire. Donc là c'est vraiment nouveau. Ah merde. Attends. Ah j'avais pas prévu ça comme ça mais c'est pas grave. Voilà, on va y arriver. Alors on est passé au-dessus en deltaplane hein, mais bon en deltaplane tu vois pas forcément tout pareil. On va juste essayer de rejoindre un chemin. Ok, il y a un chemin là-bas. Parce qu'en général tous les chemins mènent à Rome. C'est ce que je me dis. Et je me débrouille vraiment pas trop mal maintenant hein. Ah, fallait que je dise ça maintenant et je me retrouve bloqué. Voilà. Et là on a un chemin et là on va pouvoir se faire plaisir. Donc là on va vraiment longer. L'idée c'est de faire le tour. Ouais c'est ça. Et voilà, déjà là on a un petit campement, voilà. Je dis ça, je dis rien hein, mais faut juste que j'apprenne à sortir du... Comment je fais pour descendre, putain. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? Des grenades. Tu vois? Ça, ça fait plaise. Ça, ça fait plaise. Bon, des fusées, on a déjà. Il ramasse tout ce que j'ai là. Attends, je vérifie parce que je me connais, je vais louper des trucs. Non, pour moi, ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok. J'aime bien faire des points de save à chaque fois qu'il y a des tentes comme ça. Au moins, ça me permet vraiment de me retrouver, de pas être trop stressé si jamais. Donc, je sauvegarde. Allez. Prenez à droite. Je sais pas à combien ça va, mais ça va super vite. Hein. Ça va super vite cette connerie. Ok, du coup. Ah, ça descend ici. Très bien. Pas de problème. Pas de problème, on a la vue sur la mer à droite. Tu sens que la météo est en train de se gâter quand même. Hein. Tu sens que la météo est en train de se gâter. Là ça me rend nostalgique parce que ici c'était là qu'on s'était installé dans la saison 1, mais genre pendant deux épisodes même pas. Sous la neige hein, justement. La boucle est bouclée. Par contre c'est vrai que c'est magnifique ici en vrai. Hein. Enfin c'est magnifique. C'est tellement dégagé. Tu pourrais faire la base ici là. Hein. Est. Ouest. Le coucher de soleil là tu le vois des deux côtés hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'installer en haut de la... Oh eh ça donne envie. Ça donne envie de s'installer là-haut hein. Je dis ça, je dis rien. Après est-ce que c'est vraiment safe? Je ne sais pas. Alors vous voyez ce chemin, je l'ai jamais pris. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je connais pas du tout.
Alors on passe certainement à côté de grottes, hein. Enfin certainement je dis pas, mais il y a peut-être des grottes là et il faut le savoir quoi, hein. À quel moment tu peux savoir qu'il y a une grotte? Ok, là ça commence à devenir intéressant. Là les amis, ça commence à devenir intéressant. Je suggère de continuer toujours par là. Là t'as de la falaise là-haut, hein. Oh, j'ai trop envie de m'installer. Voilà, c'est ça que je veux, c'est... Bonjour. Ah, ça fait bip bip. Ah, il y a un village en tout. Il y a un village. Oh bâtard. Attends, bouge pas. Bouge pas mon ref. Hop là. Pardon. Alors normalement t'es censé être mort, hein. Voilà, allez hop. Rends-moi mes flèches. Voilà. Ouais, il y a mon GPS qui fait bip bip. Et on a un village juste en dessous. Salut petit lapin. Bah écoutez, on va y aller. On a peur de rien. Bon, Virginia n'est plus là, hein. Virginia ne me suit pas, je suis trop rapide pour elle. Ok. Un petit peu de calme avant la tempête. Y'a rien d'autre. Par contre, y'a un mutant. Y'a un mutant, donc là, les gars, on cherche pas, on prend un pompe. Oh, c'est bon. Je me barre. Allez, salut! Comment je me suis yèche dessus? Alors, où c'est que ça nous emmène tout ça? Ah, j'aime bien. T'as le front de mer juste en bas là. En bas là. Bon là c'est une grande ligne droite, t'as l'impression que ça a été un peu abandonné. Et c'est ça ce qui est beau, c'est que tu dis voilà, toutes ces zones là c'est exploitable. Il pourrait voilà par la suite avoir des mises à jour et avoir plein de trucs ici. Alors je suis pas en train de défendre le jeu, hein, vous savez. Hein. Mais voilà, c'est pour dire, il y a quand même des zones exploitables. Hein. Parce que s'ils avaient déjà tout fait dès le début, la map elle aurait été trop petite. Il y aurait plus de nouveautés en fait. C'est ça le truc. Alors par contre là tu vois le chemin, ils ont fait des zigzags. Terrible. Là, on dirait les collines chez moi quoi. Ok, donc là on monte. Où c'est qu'on va arriver? Dangereux. Alors on va arriver à un point d'eau là-haut. Ouais mais ici on connaît encore. Là les grottes en haut, c'est là où on a récupéré l'armure en or, souvenez-vous. Et franchement j'ai une bonne mémoire. Là les deux grottes que vous voyez, mais les deux hein, les deux grottes c'est entrée sortie. C'est là où on a récupéré l'armure en or. Voilà. Par contre je pourrais suivre ce chemin encore. Ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être vraiment pas mal. Parce qu'on peut encore tomber justement sur des campements qu'on n'a pas encore vu. Ok. D'ailleurs, il y aura déjà une nouvelle prochaine mise à jour dans une semaine. C'est fou comment comment ça va vite là. Je sais pas ce qui leur arrive d'un coup. On n'a même pas le temps d'exploiter encore les petites nouveautés qu'ils nous en foutent déjà des nouvelles. Donc ça fait trop plaisir. Alors, j'aimerais bien voir là, il y a de l'eau là. Attends, mais il me charge! Mais il me charge! En fait, il me charge, l'élan! Adieu. Il me charge! Il me chargeait en fait! Eh mec, je croyais que c'était gentil! En fait, il me charge! Les gars, là, on est d'accord, il m'a suivi quand j'ai tourné en rond. Ah là, je viens de découvrir un truc. Oh non. Eh, je me chie dessus, voilà, c'est bon.
Bon allez, je vais rejoindre la route là si j'y arrive. Eh, c'est bon quoi, je me chie dessus. Faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. On a quoi là? Eh ben voilà. Ah mais il y a un camp indigène là-bas. Oh putain. Hop là. Toi t'es mort. C'est vrai que ça one shot hein. Est-ce que je peux récupérer les carreaux? Ouais. Salut mec. J'adore ce jeu. Oh putain. Hop là. Eh j'adore ce jeu les gars. Alors j'ai hâte de voir la brute. Ça one shot la brute. Ah ouais. Ah ouais non là c'est chaud quand même. C'est choquant. Je... l'arbalète sous côté. Franchement sous côté l'arbalète hein. Bah madame. Mais madame. Ah elle est nouvelle elle, regardez, elle est nouvelle. C'est un nouveau type de grosse brute. Hop là. Ah, je suis trompé de touche, attends. Pardon. Ah je vais casser son armure. Eh j'adore ce qui se passe. C'est bon pour vous? Bon, par contre à chaque fois je peux pas récupérer la flèche pendant que je recharge, donc c'est un petit peu embêtant. Parce que tu peux pas faire des mouvements trop, trop rapides. Bon, on a des cultes du coup qui sont là. Donc la brute, one shot. Ça c'est un plaisir. Ok. Je vais garder le monocycle sur moi. Non, je vais le laisser là en fait. Comme ça, ça me permettra de repartir. Alors, on a quoi? À manger. Je me sers. Hein. Je suis chez WAM. Des conserves. Des conserves. Très bien. Hop, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, vraiment. Très bien. Bon, il est... le soleil se couche là en fait. Ça va où là-bas? Non, ça va revenir de là où on vient. Tu vois, j'ai bien fait de faire un petit tour. Parce qu'on aurait raté ce camp. On aurait raté ce camp. Et là on est à côté du site de crash hein, dites-vous hein. On est au début on est presque là où on a spawn hein. C'est impressionnant hein, tout ce qu'on... ce à côté de quoi on passe. Alors par contre où c'est qu'on va se poser pour dormir? Ça c'est une bonne question parce que là en l'état on peut pas dormir ici hein, parce qu'on va se faire déranger. Tu vois on est déjà passé par là souvenez-vous. Énorme. Je pourrais aller au bord de l'eau mais putain c'est chiant. C'est très très chiant. J'arrive plus à rouler, voilà. Tac 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 tac. Bah écoutez, on va essayer de suivre là pour rejoindre la route de nouveau. Oh, il y a des gens. Voilà, on va rejoindre la route ici. Oh non, la flemme. Hop. Voilà, on a un chemin ici. Parfait. Allez. On a un chemin ici. Des cannibales également. Bambi, attention. Si tu pourrais dévier ta trajectoire, ce serait sympa. Oh, bah on était déjà là en plus. On était déjà là. Excellent. Où est la radio? Très bonne musique. Lance artisanale. Voilà. Des médocs. Ah bah attends, je vais en manger un du coup. Là, on est pas mal. Est-ce que vous pensez que je peux dormir ici ou pas? Moi, j'en pense que c'est un peu dangereux. Mais je pense que c'est pas une bonne idée.
Je pense que c'est pas une bonne idée. Par contre, on pourrait monter là-haut. Et ce serait plutôt safe. Alors, je prends le monocycle avec moi. Et puis, on va monter là-haut, les amis. On va dormir. Alors, dans la vraie vie, bien sûr, c'est pas possible. Ce sera trop humide, trop bruyant. Et pas confortable. Mais dans le jeu, je sais que je me ferai pas embêter par les indigènes. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah je dis ça, mais il y a un... Et d'ailleurs il y a un campement là-haut, souvenez-vous. Dans le dernier épisode on était là. Juste en haut il y avait un campement, donc on va pouvoir y aller. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Allez meurs. Prends-moi ça. Reste au sol. Voilà. Hop. Bon, finalement c'est peut-être pas le meilleur endroit pour dormir. Oh, regardez son cadavre. Ah dommage. Virginia. Oh, il y a Virginia. Ok, donc je vais pouvoir dormir. Si Virginia est là, je vais pouvoir dormir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais ouais, du coup c'est pas réaliste de dormir ici, évidemment, les amis. On est bien d'accord. Mais on n'aura pas le choix pour être tranquille. Donc je vais mettre la bâche ici. Jamais de la vie tu fais ça sur les cailloux comme ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, dès qu'il fera nuit je pourrai dormir. On va en profiter. Reste la Virginia quand même, s'il te plaît. On va se faire un petit truc cosy, les gars. Si déjà on est au bord de l'eau, voilà, autant se faire plaisir. Voilà. Comme ça les ennemis auront peur du feu. Voilà, on va attendre. Il est quelle heure là? Il est 17h, donc on va attendre les environs de 18h. C'était quoi ce bruit? Ouais, je sens qu'on va nous embêter quand même. Je sens qu'on va se faire embêter. Mais j'ai confiance en Virginia. Là l'idée c'est juste voilà de pouvoir faire passer la nuit quoi. Imagine il neige. Imagine il neige quand on se réveille. Alors ça franchement ça me ferait bien chier. À la limite faudrait que je dorme là en fait. Et là je suis plus susceptible d'être tranquille en vrai. Ouais je change de plan toutes les 2 minutes. Mais là je sais que ça passe. Alors autant en profiter. Vu que j'ai plusieurs bâches. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne nuit. En attendant n'oubliez pas le pouce bleu. Oh yes. C'est bon. On a réussi à dormir les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le jour numéro 33 avec Virginia qui nous a pas mal aidé cette nuit, visiblement, parce que j'ai entendu des coups de feu. Comment je récupère cette merde là? Allô? Bon, je vais laisser ça là, tant pis, j'arrive pas à récupérer la bâche, je sais pas pourquoi. Merci Virginia. Oh, tu me demandes de te suivre? Alors, ça dépend où tu m'emmènes. Hein. Ça dépend où tu m'emmènes. Parce que si tu m'emmènes en bas, je sais déjà. Hein. Elle va m'emmener en bas. Ça sert à rien que je te suive. Rien à péter, Virginia, désolé. Du coup, nous on va traverser, on va aller en face. Ouais, du coup, je garde toujours le monocycle à portée de main. Hein. Comme ça au moins on est tranquille. Ouais, il y a un village en face. Maintenant on est bien équipé, on a ce qu'il faut, donc on va y aller les amis. Je suis trop content. Et ça c'est grâce à la grotte qu'on a faite avec les bah, en ce début d'épisode avec les Puffton, les mini boss. Parce que grâce à ça on a récupéré enfin du coup je sais que l'arbalète one shot, que le fusil à pompe bah ça régale également. Donc vraiment là ça m'a donné de la confiance que même dans la saison 1 je n'avais pas. Donc c'est trop bien. Alors, hop, bonjour madame, va prévenir tes chefs. Ah oui, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'elle nous fait madame? Madame, faut redescendre. Bon, j'ai confiance, mais pas trop non plus. Hein. Alors, attends-toi. Voilà. Merci madame.
J'étais assez proche, même dans le ventre, ça one shot, donc c'est vraiment pas mal. Alors faut juste pas que je me... que je me fasse surprendre. Virginia, c'est quand tu veux, hein, pour m'assister. Je vais boire un petit soda parce que je vois que c'est pas la forme. Ah, quelle épopée quand même, hein. C'est vraiment une épopée incroyable. Bon, il y a aussi un monocycle si jamais. Monsieur, hop. Voilà, t'as même pas le temps de te réveiller. Ah, il est pas mort. Superbe. Superbe. Le mec se réveille, il se prend une flèche dans le truc. Monsieur, il faut mourir. Voilà, deux flèches. Il faut mourir à un moment donné. Voilà. Non, parce que sinon après vous souffrez. Et je veux pas vous faire souffrir. Hop, 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 hop. Je récupère les flèches. Ah, c'est vrai que c'est illimité, c'est vraiment génial. Par contre, y'a personne ou... Y avait plus de monde que ça avant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut récupérer là? Y'a rien à récupérer dans leur village de merde. Ah, Virginia arrive. Monsieur. Non mais y'a rien à récupérer. Sans déconner. Ouais bah des conserves quoi. Mais je veux dire y'a pas de, de truc impressionnant quoi. Alors je fouille peut-être mal hein, mais bon. Bon lui on va le laisser ligoter hein. On va le laisser ligoter. Et non, ça nous fera une armure effrayante gratuite. Bouge pas. Voilà. Je recharge. Virginia t'inquiète, tout va bien. Je te fais confiance. Hop. Voilà. Ça nous fait une armure effrayante gratuite les amis. On ne dit pas non, on ne crache pas dessus. Allez. Ah. Monsieur, bonjour. Oh il a un masque en or. Hop. Eh ben ça ne suffira pas. Voilà, c'est la mort assurée. Ah ça y est, ça commence à venir. Ça commence à devenir intéressant là. Mais Virginia, viens on se barre. Viens on se barre. Je prends ça. Il y a Kelvin pas loin d'ailleurs. Oh là, il y a du monde là. Il commence à y avoir du monde, moi je me barre hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Hop. Pas le temps pour vos conneries. Mais non. C'est là où il y a la piste de... Oh non. Oh non. Quel enfer ce monocycle. Quel enfer ce monocycle. En fait c'est la piste de décollage. En fait c'était le village où on s'était fait soulever je crois. Et encore c'est même pas sûr. Non il y a un autre village. Il y a un autre village plus haut. Ok attendez, il y a un autre... le village où on s'est fait soulever, faut qu'on y aille. On est au bon endroit. Faut absolument qu'on y aille. Je sais pas si vous vous souvenez de quoi je veux parler, mais vous allez vous souvenir. Je vous jure. En plus il y a Virginia juste à côté. Je suis armé. Faut juste que je récupère. Bonjour madame. Hop. Ok, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut qu'on y aille. Parce que j'ai une bonne mémoire et je sais qu'il y a quelque chose à creuser. Voilà, je suis un génie. Donc ça se passe ici. Souvenez-vous, c'est avec le caddie de golf et on s'était fait soulever dans le caddie. Voilà, c'est tout à fait là-haut. C'est tout à fait ici. Et c'est tout à fait là. Je crois. Alors je vais laisser le monocycle ici. Comme ça. Je sais qu'il est là. Bâtard. T'as vu, il me charge. Hop là. C'est bon, t'as compris la leçon? Allez hop. Putain, je pensais pas que ça allait one shot en vrai. Hein. Je suis assez fier de moi. Je suis assez fier de moi. Désolé à tous les vegans. C'est lui qui a commencé. Du coup. Ça se passe ici, regardez les amis. Et là, je me suis bien fait soulever la gueule. Ah ouais, elle est nouvelle, elle. Elle est nouvelle, c'est un nouveau type de brute.
Hop, alors toi dehors. Je sais pas ce que t'as cru. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Attends, je récupère juste ça. Tu m'en voudras pas. Voilà. Voilà. Je pense que le mieux c'est de récupérer la flèche et de recharger après. C'est le truc le plus rentable. Et je crois que là il faut creuser, les gars. Je crois que là il faut creuser. Alors j'aimerais bien que Virginia arrive pour m'épauler. Mais là il faut creuser et on a un site de maintenance comme dans le dernier épisode. Oh putain. Je me suis chié dessus. Bon, j'imagine que Virginia va venir bientôt, j'espère. Hop. Tu vois là, je récupère tout de suite la flèche et je peux recharger. Eh, venez, j'ai même plus peur. En vrai, ça, c'est devenu easy peasy là. N'hésitez pas à mettre en commentaire M'Koulou le boss. Non, j'ai que... En vrai, le jeu il est devenu simple d'un coup là. Tu veux que j'abrève tes souffrances? Voilà. Faut me demander, hein. Moi j'abrège les souffrances, hein. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer maintenant que je suis serein. Voilà une bâche. Je suis full. Calvin arrive, ça c'est pas mal. Il va pas mettre une grande aide. Allez, c'est parti. On creuse. Ah bah on voit déjà un bout du... de notre objectif, c'est pas mal. Yes. Déjà là on est bon. Déjà là on est bon. Bel simulator le retour. Épisode 2. Ah franchement je suis trop content. Cet épisode il est vraiment génial. Je pense que c'est... Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais selon moi, à mon sens, j'ai l'impression que c'est quand même le meilleur épisode de la série. Hein. Pour le moment quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce qu'il se passe tellement de choses et ça se passe tellement bien. Ouais, c'est par là qu'il faut que je creuse. Ah! Ah non, fais pas ça, monsieur. Hein. Hop. Putain, mais il est violent, lui. Calvin! Faut que tu tiennes, Calvin. Faut que tu tiennes, Calvin, j'ai besoin de toi. Voilà. C'est dommage que Calvin ne sache pas se battre. Hein. Ça, c'est une reproche que j'ai à faire quand même. Un minimum, je veux dire. Un minimum. Parce que. En vrai, ça reste un soldat, Calvin. Maintenant, au bout d'un moment, il peut quand même faire quelque chose, quoi. Je pense. Je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'en fait, Calvin, tu passes plus de temps à le réanimer qu'autre chose, quoi. Hop. Là on devrait y arriver. Faut encore que je creuse en bas je pense ici. Un petit peu là. Un petit peu là. Ok. Un petit peu en haut à droite. Tu vois, au même Calvin il pourrait faire diversion quoi. Servir à quelque chose un petit peu. Alors mon ref. Bon, on peut pas être tranquille hein. Ah, bâtard. M'en fous, j'ai de l'armure. Et en plus il... Attends. Hop là. Ça c'est moche. Par contre t'es encore en vie, ça me dérange. Ma flèche. On va y arriver? Ou on va pas y arriver? Oh, mais j'ai tout fait tout autour, c'est bon là. Ah. Ça y est. Allez go. Eh ben. Alors ça c'est maintenance C je crois. Ah non, c'est maintenance B. Je sais plus c'était quoi qu'on avait dans le dernier épisode. Si c'était maintenance A ou C, je sais plus du tout. Mais nous y sommes. Maintenance B, allez un petit effort. Hop là, le triceps évidemment qui en prend encore un coup. Yeah.
C'est bon ça. Alors comme dit, hein, je sais pas s'il y a des trucs qui ont changé. Si ça se trouve, il y a des méchants, je ne sais quoi. Voilà, on sait jamais. Donc, on va reprendre la petite lampe de poche. On a quand même pas mal de piles, hein. Hop. Ah, je peux boire l'eau. Formidable. C'est pas la même ambiance là. Là, c'est inondé de partout. Alors, est-ce qu'on peut récupérer des trucs? Là, y'a rien. Ok. De la résine. Bon, panneau solaire, j'ai déjà. Ampoule, j'ai déjà. Dans le frigo. Tiens, bah, je vais manger ça. Ah merde, c'est cru. Merde! J'ai pas fait attention. Ça se trouve, je vais devenir cannibale. Voilà. Un couteau. Oh yes. Nouvelle localisation découverte. Bunker de maintenance C. Mais attends. Ça se trouve, on l'a déjà vu et ça sert à rien. On regardera après. On récupère un nouveau silencieux de nouveau. Très bien. C'est bien aussi. Arc à poulie. Eh ben si avec ça Ah moi j'ai mon carreau d'a... Moi j'ai mon arbalète, ça me suffit largement, hein. Bah y'avait pas grand chose en fait, hein. En vrai c'est pas ouf, hein. Alors je vais sauvegarder, mais en vrai c'est pas ouf du tout. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on fusionne du coup le silencieux supplémentaire. Oh, rail de pompe. Oh wesh. Je sais pas où c'est que j'ai récupéré, mais ça, ça fait plaisir. Et il est où l'autre silencieux du coup? Ouais, je pense même pas que je puisse l'équiper sur le fusil à pompe. Ah si, silencieux. Ah non, je peux pas, c'est que sur le pistolet. Du coup, ça sert à rien ce deuxième silencieux là. Ça sert à rien. Bon bah voilà. Et ben les amis, c'est plutôt pas mal. On va s'en arrêter là pour cet épisode qui était vraiment trop cool. J'espère que vous l'avez apprécié vraiment, hein. Si c'est le cas, je compte sur vous un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve samedi du coup pour le prochain épisode qui va être également super sympa, puisqu'on va du coup faire le tour de l'île, on va continuer cette exploration. J'ai hâte de vous lire, je suis trop heureux. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao tout le monde.